Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, cette petite vidéo pour vous montrer ma coiffure préférée, un twist-out que je réalise qui donne un très bon résultat. Donc, je vous montre tout dans cette vidéo. Donc, dans un premier temps, le dimanche, j'avais fait mes soins avec les produits de Brown Hair, bien sûr. Et j'ai réalisé mes twists que j'ai portés lundi, mardi, le temps que ça se sèche très bien. Donc, demain, mercredi, je vais réaliser mon twist-out. Donc, je prépare mes cheveux dès aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vais défaire mes twists. Mes tuiles sont bien défaites. Maintenant, je vais prendre des sections. Genre, je vais prendre de grosses portions. Voilà. Je vais réaliser des braids. Féfé, quoi. Voilà. Je vais réaliser des braids dessus. Et c'est ça qui donne le résultat, le bon résultat le lendemain. Donc, je vais faire, je sais pas trop, 4, 3 sessions. Je sais pas trop. Mais tout dépend. Alors, après avoir réalisé mes braids, je vais fixer avec les pins. Alors, comme il fait nuit et que je dois aller faire dodo, je vais mettre mon bonnet en satin. Ça, les filles, faut jamais, jamais négliger ce côté. Toujours, toujours couvrir la tête avec son bonnet à satin avant d'aller au lit. Bonjour, bonjour. Alors, maintenant, on va défaire mes tresses. On va voir ce que ça va donner comme résultat. Et voilà ce que ça donne, n'est-ce pas joli? Moi j'adore ce côté. Ce n'est ni twist out ni braid out, genre c'est entre les deux quoi. En tout cas, moi j'adore ce résultat. Donc les filles, voilà un peu mon secret pour avoir ce beau résultat. Alors si vous avez aimé ce petit tutoriel, dites-moi en commentaire, donnez-moi votre avis si vous avez aimé. Et si vous voulez encore d'autres tutoriels coiffure, n'hésitez pas de me le demander. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, soyez bénis.